volonté de, il y a une volonté de nous mettre dans le système de l'argent, de continuer dans ce système, de nourrir leur système, parce qu'en fait ils se nourrissent de nous comme ça. On a d'autres choses à faire, on a d'autres beaucoup plus de potentiel en nous que ce putain de pognon et que la richesse à tout prix. J'ai rencontré un scientifique il y a peu de temps et qui me dit voilà, bon monsieur Obel, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne et comment ils arrivent à tuer tout le vivant, parce que dans les chemtrails ils changent souvent leur composition, parce que si tu habitues un corps à une composition chimique, son ADN le reconnaît, finit par le reconnaître et transforme son ADN pour s'y adapter. C'est-à-dire, on va créer une défense immunitaire. Chaque organisme va créer la défense immunitaire contre l'aluminium, contre le manganèse, contre, etc., tout ce vous pouvez mettre dans l'atmosphère. C'est comme ça qu'on vit à l'heure actuelle. C'est parce qu'on est habitué aux microbes. Notre ADN à les défenses. Et une réponse une résistance et une réponse contre toutes ces attaques extérieures. Voilà. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils changent sans arrêt les compositions des épandages aériens, de ceux qu'ils mettent dans les médicaments, par exemple aussi, et en fait, ne pas laisser le temps à l'ADN de d'évoluer pour arriver à une défense. Voilà. Le mot chemtrail existe et c'est pas nous qui l'avons inventé. Je veux dire, c'est pas les conspirationnistes, comme ils disent, qui ont inventé ce mot-là. Ce mot-là est intégré dans les manuels de bord de la Navy. Donc c'est pas nous qui inventons tout ça. Donc ça me fait bien rire quand les trolls parlent de conspiration, etc., etc., ou de gens non éveillés, hein, ou qui n'essayent pas de regarder un petit peu plus loin, ne se documentent pas. Il y a plein de gens qui disent d'emblée de jeu, ça n'existe pas, parce que dans leur tête ça n'existe pas. Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'aller vérifier, ils n'ont pas fait l'effort de prendre connaissance ou de se faire une idée, une opinion du sujet. Maintenant, aujourd'hui, les preuves sont là. De toute façon, elles seront données à l'État par le biais de notre assoce dans très peu de temps. Ça va leur faire mal puisque nous avons tout recueilli, tous les éléments en Europe, de tout ce qui se passe déjà en Europe. Et ça a une valeur en France puisque nous faisons partie de l'Europe. Voilà. Et là, ça va bien, bien les emmerder puisqu'on a réuni quand même toutes les preuves, hein, analyse d'eau de pluie, analyse des sols, etc., échantillons de cheveux dans les maternelles, etc., etc., etc. Donc, on a tous les éléments. Quand t'es parent, tu te dois de protéger tes enfants. Là, on est obligé d'aller se cacher quasiment dans la jungle pour pas être obligé de faire vacciner les enfants. Tu comprends ce que je disais? Même dans la jungle, ils vont envoyer des squadrons et puis voilà. Donc, il va falloir se battre pour empêcher. J'ai remarqué la différence entre les enfants qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Et je te jure, ceux qui sont vaccinés, ils sont très lents psychologiquement et intellectuellement. Ils sont très lents. Ils ont de la difficulté à apprendre, ils ont plein de choses, alors que les enfants qui sont pas vaccinés, c'est incroyable comment ils sont vifs d'esprit, comment ils sont déjà des êtres à part entière, hein, c'est incroyable. Je vois la différence. On voit que le cerveau a été attaqué par le mercure, le squalène et tout le reste, l'aluminium, etc. C'est incroyable parce que on tue les enfants à la naissance. C'est l'horreur. Donc les parents, ils font quoi? Il va falloir qu'ils se battent. Et puis moi, je pourrais, tu sais, je veux dire,
est-ce que tu donnerais ta vie pour tes enfants pour les sauver de la vaccination? Surtout qu'aujourd'hui, on a des biologistes, on a des chimistes, des médecins, des recherchistes qui nous ont donné les preuves que tout ce qu'il y a dans les vaccins, c'est hyper toxique et hyper dangereux. Parce que moi, aujourd'hui, les trolls, j'ai pu m'apercevoir avec un petit peu de temps, là, depuis le temps qu'on a commencé avec toi, Denki, depuis le temps que j'ai fait les Yang avec Saber également, et avec d'autres. J'ai pu m'apercevoir quand même que tous les trolls, ne peuvent pas, ça peut pas être, si tu veux, quelqu'un qui s'ennuie à la maison, qui s'emmerde et qui va faire chier son monde. Moi, si un sujet ne me plaît pas, ben je vais pas le voir, voilà, etc. Je vais pas faire des vidéos. Comment je peux avoir une vidéo qui sort en moins de 24 heures, très très bien faite, si je suis pas appuyé derrière en audiovisuel, etc., en partenariat, etc., pour pouvoir mener à bien tout ça, c'est pas possible. Et donc, on sent une volonté de faire. D'ailleurs, ce sont les mêmes gens qu'on retrouve à chaque fois, les mêmes noms, et les mêmes gens qui font ce style de vidéo et qui essayent d'écraser la vérité coûte que coûte. Il faut qu'ils écrasent la vérité parce que, et ça en devient tellement ridicule, ils se ridiculisent eux-mêmes au travers de leurs allégations, de ce qu'ils soulignent chez les chercheurs de vérité, on va appeler ça comme ça, hein, les chercheurs de vérité. Pour moi, c'est pas trop le terme exact, mais ceux qui sont à la recherche de la vérité sont souvent trollés. Tous ceux qui ont de la connaissance, hein, que peu importe le domaine. Peu importe le domaine, hein, soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine du changement, etc., etc., se font troller sans arrêt et on les stigmatise, on essaie de les décrédibiliser à fond. Et c'est là qu'il faut que les gens prennent conscience quand même qu'il y a vraiment un souci, quoi. C'est là où il faut qu'on commence à réfléchir, à se dire, mais attendez, là, c'est quoi cet acharnement? On peut ne pas être d'accord, mais là, il y a des acharnements qui sont complètement contrôlés par les États du monde, voilà, si ce n'est par le gouvernement mondial, parce qu'il existe déjà. Voilà. Ce que je constate, c'est que leur façon de faire, en tout cas, c'est pas la même intelligence que la nôtre. Parce que tu vois, toute leur façon de procéder, elle est enfermée dans une espèce de psyché qui finalement est pas vraiment la nôtre. Ils sont pas comme nous, ils fonctionnent pas comme nous. J'ai l'impression qu'ils ont pas la même sensibilité. Ils arrivent même quelque part, ils comprennent pas pourquoi on est aussi perspicace. Alors, c'est pas qu'on est inattaquable. D'après toi, est-ce qu'ils savent qu'on n'est pas arrêtable? On n'est pas arrêtable, ils le savent. Je pense que comme ils ne sont pas comme nous... Donc, c'est une provocation. C'est juste pour nous faire perdre le temps et l'énergie. Oui, ça nous fait perdre du temps, mais je pense que cette part de l'humanité qui a la même forme, qui ressemble à nous, ne sont pas comme nous.